Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Est-ce que la FECI a le droit de saisir les taxis KDS Parce qu'il y a un contentieux. Restez avec nous, vous en saurez davantage. Au second point, on va dire le premier point de ce temps d'antenne, on parlera de la dette. Le ministre du Budget et des Finances clarifie tout. Chacun y va de son latin. Pour qualifier donc la dette et les avancées de la Côte d'Ivoire, on comprendra un peu ce que le ministre a dit devant donc la section parlementaire qui est en charge des finances. Et pour terminer... Le COGEP sera sur notre plateau. Avec eux, on essaiera de balayer l'actualité nationale et internationale. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. André, bonsoir. Comment bonsoir, Christelle. Non, bien sûr, bien sûr, c'est toujours un plaisir. Euh, on en avait demandé une, et eh bien on en retrouve deux. Voilà, <laughs> elles sont là, ces deux dames du mois de mars. mais de tous les autres mois, rassurez-vous. Je sais qu'on vous aime pour pas seulement le mois de mars. Et puis aussi, le mois qui va venir. Pour tous les mois, et André. Les ne mois, vous aimez pas par mois, mais aimez-nous pour tous les mois. Voilà. Bien sûr, vous non, le savez. Et vous, -moi nous pour, pour tous les mois. Non, mais j'allais dire, elle nous le rende bien. Donc et forcément, lisez. on n'a pas besoin de faire cette précision. On dit <laughs> vous parce qu'il y a vous, Christelle, et il y a et là, Pascal, Pascal qui nous a rejoint. Pascal, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Comment bonsoir, ça va très André, cher Ça bonsoir. Va bien, merci. Très bien. Bonsoir à tous. Élisée Bouloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Marius, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir à tous et à toutes. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir à tous et j'espère que vous êtes d'attaque. Très. Et surtout, n'oublions pas, le téléphone est ouvert. Est voilà Depuis hier, pas, on, on ouvre dit, le téléphone pour pouvoir dit, échanger on, avec on vous. On le rappelle pour nos téléspectateurs, ouais. le téléphone est ouvert au 98 070. C'est le numéro qui vous permettra de réagir sur les différents sujets. Christelle vous l'a donné. Le premier sujet va porter sur cette affaire de dette. Qu'est-ce que vous y comprenez Est-ce que vous vous dites, ah, on s'est endetté, moi ça va parce que j'ai du goudron chez moi Ou euh, le pays s'est endetté, écoutez, moi je n'ai rien vu, je ne suis pas très content. N'hésitez pas à nous appeler tout à l'heure pour euh, nous donner votre avis sur le sujet. Et puis les autres sujets également mmh. pourraient vous intéresser. Je pense que le plateau est set. We go now. Depuis un moment, on en parle ici, hein, Christelle, yeah, cette affaire de dette. Cette affaire de dette. Euh, hein. Depuis que les députés PDCI ont convié un spécialiste pour leur expliquer la situation. Et lui, il y est allé quand même assez, euh, j'allais dire, tout de go. Il dit non, 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 on n'est pas très, très loin du surendettement, etc. Et tout cela a provoqué tout un débat. Mm. Et puis à l'Assemblée nationale aujourd'hui, le ministre Adama Koulibaly, ministre du Budget et des Finances, a réagi. Exactement. Alors, comment est-ce que vous trouvez ces analyses, cette analyse comparative qu'il a eu à faire sur la situation en 2011, l'état d'enrichissement, d'endettement de la Côte d'Ivoire et aujourd'hui, la situation au niveau de l'électricité. En fait, Daouda, comment est-ce que vous percevez les propos du ministre devant donc la section de l'Assemblée nationale en charge des finances Merci beaucoup. Je pense que, comme même vous le disiez tantôt, il a été reçu par la députée, mais mmh. bien avant même que. Il a été reçu par la députée, permettez qu'on précise pour nos téléspectateurs, c'est très important, il a été reçu simplement parce que ils doivent voter un projet portant endettement du mmh. pays. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là. Donc, c'est tout à fait un moment institutionnel où ils doivent entendre le gouvernement sur sa politique d'endettement, etc. D'accord, merci. Je pense que euh, la, la semaine dernière, on en, on en débattait encore ici. Le problème, comme je l'avais dit, euh, ce n'est pas ce qu'on prend comme dette mmh. c'est où mmh. va l'argent. La dans quoi est-ce que cet argent est investi C'est de ça qu'il s'agit. Et justement, il a fait le, le, le rappel des, des 8 000 milliards de dettes, faisant référence à, à la sortie de l'ex-président Laurent Gbagbo, Il oui. disait que sous sa mandature, mm -hmm. il était à 8 000, euh, 8 000 milliards de dettes qu'il a laissées à ses à prédécesseurs. Et qu'aujourd'hui, on aurait triplé ou quoi On est à 25 000 à ce euh, Voilà, ses voilà, successeurs. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, quand on regarde le niveau de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une économie en émergence. Mmh. Donc c'est maintenant effectivement que nous devons prendre des dettes pour, faire des, pour, pour investir sérieusement. Et quand on regarde le niveau d'investissement, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des infrastructures, clairement on sait où va cet argent. Maintenant, après, quand les gens rentrent dans des débats... Parce qu'il faut le comprendre, on est à l'orée d'une élection présidentielle qui est dans plein de, à moins d'un mois. C'est un de, argument pour. Euh, oui, moi je pense que c'est un, 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 un argument, argument politique et tout est qu'on appelle ça. On, il faut il faut s'accrocher à tout actuellement pour, pour pouvoir déstabiliser son, son, son adversaire politique. C'est à, à ce jeu là qu'on est actuellement. Sinon pour ma part, il est il est important d'éduquer nos populations. Mmh. Et malheureusement, moi j'ai tendance à le dire, j'ai eu toujours peur de ce qu'on appelle les semi lettrés parce que ceux qui sont allés à l'école qui après ne donne pas la bonne information ou qu'on appelle ça à, à, à nos concitoyens. Et mmh. la bonne information, c'est de savoir l'argent que tu as récupéré, où est-ce que tu as mis cet argent, et qu'est-ce que ça nous donne aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut expliquer les gens, les choses aux gens de façon pédagogique. Très bien. Alors, vous l'avez écouté vraiment avec beaucoup d'attention. Je vous ai vu. Hein, vous étiez même un tout petit peu en train de voir si tous ces éléments là mmh. euh, allaient dans le sens de ce que vous vous alliez penser, euh, euh, Pascal. Et comment vous analysez tout ce débat sur la dette et vous vous positionnez comment Vous dites trop, bon, trop d'endettement, pas assez ou pas important. Enfin, comment vous analysez tout ça je le, ramène, je, vous remercie, je le ramène à taille humaine. En fait. je me, je, on en parlait tout à l'heure de l'exemple d'un père de famille ou d'un gestionnaire en tant qu'individu. Si vous aviez un salaire entre 0 et 100 000 francs et que vous alliez à la banque et que vous vouliez vous endetter pour 100 fois plus votre salaire, mmh. la banque refuserait parce que la dette, elle vient d'où mmh. Elle vient des emprunts. Mmh. Donc, quel est notre indice de confiance sur les marchés euh, internationaux, euh, dans les places euh, qui font de la dette, qui produisent en tout cas des, euh, de l'argent pour les pays qui en ont besoin Les institutions de Bretton Woods, mmh. voilà. Il faut dire que si on arrive à ce montant de dette-là, c'est que notre indice de confiance est élevé. Ça veut dire quoi Notre indice de confiance est élevé. Économie pour les nuls, je le dis à mon niveau, c'est peut-être qu'on rembourse aussi régulièrement notre dette et que nous, nous inspirons confiance sur les marchés. Mmh. Mais je reviens à mon exemple. Mmh. Donc vous, vous ne pourrez emprunter que non seulement par rapport à la confiance qu'on a en vous, donc je prends mmh. les banques, mais aussi par rapport à vos capacités. Si vos capacités étaient faibles ou mmh. si la confiance n'existait pas, c'est normal. Que votre dette soit le reflet de la confiance qu'on met en vous. Mais si la confiance devient grande et qu'on voit votre gouvernance qui s'améliore à la hauteur de vos ambitions, je pense que vous pourrez vous endetter. Ceci dit, je suis quand même allée regarder les ratios euh, dans, sur notre continent, le Ghana en termes de taux d'endettement, puisque il y a aussi cette question du taux d'endettement, mmh. parce que des institutions sérieuses disent qu'il faut avoir un certain taux pour être sérieux, parce qu'au delà vous êtes sur la ligne rouge. Le Ghana est à 92% de son taux d'endettement, euh, 76% pour le Sénégal qui est membre de l'UEMOA, 71% pour le Maroc et la même chose pour l'Afrique du Sud. Et il faut savoir que la norme est fixée dans notre espace communautaire, celui de l'UEMOA, à 70%. Et la, la Côte, Côte d'Ivoire, hum, voilà. Est, ça qui va être intéressant. Roulement de tambour, on est à 58%. 58%. Ce sont les experts qui disent donc que nous avons une marge. Hum. Ce n'est pas moi qui le dis. Très bien. Marius et lorsque vous entendez tous ces propos, il a fait un point comparatif. Il a dit en 2011, on était à 33% de niveau de couverture d'électricité en Côte d'Ivoire. En 2024, nous sommes à 86%. Pour l'eau, il nous dit en 2012, on était à 78%. En 2024, on a 98% de couverture d'eau pour les ménages en Côte d'Ivoire. Et que justement, la dette a servi à faire des investissements et à préparer le futur des prochaines des générations à venir. Comment est-ce que vous réagissez à cela quand on fait donc une analyse comparative avec les propos de l'ex-président Laurent Gbagbo sur la dette Mais Les faits sont là mm. et c'est visible. En tout cas, pour nous qui sommes observateurs de la vie économique, politique, et sociale du pays, il est tout à fait indiqué de regarder ce qui a été fait. Mm. Les centres de santé qui fleurissent un peu partout. Aujourd'hui, nous avons plus de districts sanitaires que par le passé mais comparaison 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 n'est pas, pas raison n'empêche qu'il y a une réalité qui est là hier nous parlions d'une d'une d'un budget de 2000 qui se situait entre 2000 et 3000 000 2000, milliards sous le régime précédent mais, ça n'a pas empêché la Côte d'Ivoire d'être soumise mmh. à un ajustement qu'on peut on peut le qualifier ainsi, ajustement structurel. Mmh. Nous avons été obligés et à cette époque nous avons beaucoup souffert dans ce pays mmh. au plan social, j'allais dire, le, la vie était excessivement chère et cela même nous a mené en 2008 à faire des mouvements sociaux de protestation contre la vie chère, mmh. eu égard à certaines situations euh, au niveau local en termes d'accessibilité des populations à certains produits de grande consommation. Mmh. Bref. La situation aujourd'hui n'est pas semblable à celle d'hier parce que nous ne sommes plus sur ajustement structurel avec cette histoire de PPTE Tout fait. Hein, qui nous a permis mmh. d'atteindre le point d'achèvement mmh. et donc l'annulation de la dette a, 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 qui a permis aujourd'hui au, au, au régime actuel de pouvoir avoir un souffle également, de, un ouf de soulagement mmh. et d'entrevoir le pays au plan économique d'une autre manière. Aujourd'hui, il est bien évident, l'électricité... On ne le dira jamais assez, mais sur 11 000 villages en Côte d'Ivoire, mais plus de la moitié du. Euh, Aujourd'hui, on parle de plus de 80%, 86% pour être exact, 86 à 88% de notre territoire national qui est couvert par l'électricité. Oui. Aujourd'hui, vous avez en matière d'adduction d'eau, d'eau potable, bien entendu. On a 90%. Sous... On a 90%, là où nous étions en dessous de, 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 de 60% euh, sous le régime précédent. Mais moi. En tant que leader de la société civile, je ne rentre pas dans de telles comparaisons. Je fais un heureux constat, mmh. c'est que au niveau social, eh bien, la situation est aujourd'hui encore plus réluisante qu'hier. Et ne pas le dire, encore une fois, je le répète, c'est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle. Très mais lorsqu'on dit nous sommes à 25 000 milliards et que c'est une dette insupportable, elle l'a tellement bien dit, mmh. moi je ne suis pas économiste, mais je ne pense, que, je ne pense pas que les bailleurs de fonds prête à des pays qui ne sont pas capables de rembourser une dette. – Merci, merci euh, Marius ah. pour tout, tout, tout cela. Mais il y, y a un détail, Elisabeth, c'est ce n'est pas une colle, mais enfin je sais que vous, vous pourriez nous en parler, c'est vraiment ce qu'on appelle le coût de la dette, mm -hmm. c'est-à-dire combien vous coûte la dette. Parce qu'il y a une chose qu'on apprend, qu'on apprend, voilà les intérêts, il y a une chose qu'on apprend, c'est que la, les, la, la Côte d'Ivoire fait partie des pays à qui on vend la dette moins chère. Mm -hmm. Donc, est-ce que ça aussi, ce n'est pas un signe de crédibilité par rapport à ceux qui nous disent que la situation est alarmante Oui. Bon, euh, ce que tu dis, je pense que c est, c est, c est, on n'a pas besoin, hein, comme j'ai souvent l'habitude de dire sur le plateau ici, d'avoir un PhD pour pouvoir le comprendre. Si on te, on, te, on te donne une dette à un taux beaucoup plus réduit, mmh. c'est parce que justement on estime à un certain moment que tu as la capacité financière de pouvoir y faire face. Mais si vous permettez, on va revenir juste sur des chiffres parce qu'il faut bien. que les populations puissent au moins se, 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 se faire une idée de ce dont on est en train de parler. Quand on, on, on sort de 2011, on est à 8 000 milliards de dettes. Mm -hmm. Pour une richesse, c'est-à-dire le PIB, le produit intérieur brut, c'est-à-dire l'ensemble des richesses de la Côte d'Ivoire estimées à 12 000 milliards. Exactement. Ça veut mm -hmm. dire ce représente un ratio de 69 C'est-à-dire mm -hmm. notre dette était à 69 de notre produit intérieur brut. De à dire de, notre cas richesse, cas de richesse, PIB, parfait. de notre richesse, la mm -hmm. richesse globale. Là. On avait 69 vous, vous qui qu parlez, est... Élisée, de pédagogie, oui. c'est-à-dire oui. que nous, on produisait. Quelque chose voilà. qui a de machin. Et voilà, qu'on qu est obligé qu de 12 000 milliards. C'est-à-dire hein. aujourd'hui, quand on fait toutes nos réserves, tout, tout ce qu'on a comme richesse, ça, ça, ça représentait 12 000 milliards. Mm -hmm. Mais dans les 12 000 milliards-là, on avait des on dettes estimées à, hauteur, à 8 000 milliards. Mm -hmm. Donc ce qui représentait 69 de notre PIB. En 2024, où nous sommes assis présentement dans cette salle, la dette, effectivement, est estimée autour de 25 000 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que mm -hmm. c'est comme si c'était multiplié de 2011 à mm -hmm. aujourd'hui ouais. à pratiquement 3. Tout à mm -hmm. fait. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que le PIB, la richesse du pays, est passé de, 40, de, de 47 822 milliards en 2023 seulement, hier, là, mm -hmm. il est projeté pour 2025 à 52 413 milliards. Mm -hmm. là où nous étions ça veut dire à 12 000 000 que pendant que Analysé, la dette oui. a été multipliée par 3, la, la, la richesse a été multipliée pratiquement par 8. Mm -hmm. C'est dire qu'il y a un effort qui a été fait. Et ça, c'est perceptible, les Ivoiriens le mm -hmm. voient de façon claire. Mm -hmm. Mais en même temps, quand je finis de dire ça, pour dire qu'effectivement, on est conscient que l'État a. Jouer sur les leviers fondamentaux de la République pour pouvoir créer de la richesse. Mais en même temps, je suis conscient de reconnaître aussi qu'il y a nécessité d'être beaucoup regardant mm. sur la manière de s'endetter. C'est justement ce qui justifie que le ministre aille devant les députés pour expliquer la politique d'endettement de l'État, mm. parce qu'il y a eu des réformes au niveau de la politique d'endettement de l'État. Parce que justement, quand on quitte 2018, où on est à pratiquement euh, 42% ou 43% du PIB. Notre dette est autour de 43% du PIB et qu'on se retrouve aujourd'hui à 58%, c'est vrai qu'on a réalisé un bon en mmh. termes de richesse, mmh. mais aussi au niveau de la dette, on est monté. Donc il y a nécessité quand même de regarder un peu. Et puis fait un habitat. je pense que le gouvernement en est conscient. D'où justement Donc voilà sa présence que voulais... à l'Assemblée voilà, voilà ce que je voulais juste expliquer. Très oui, c'était bon de, de préciser que, ça je reviens encore là-dessus, la rencontre entre les députés et bien sûr le ministre du Budget et des Finances avait pour objectif de se prononcer sur la politique de l'endettement et la gestion de la dette. C'est Comment de, la, de cette dette publique, mm -hmm. quels sont les mécanismes à bah, Côte d'Ivoire pour faire en sorte que cette dette-là soit par exemple revendue à d'autres ou gagner un peu plus dessus, etc. Donc il y a pas mal de mécanismes mm -hmm. qu'offrent euh, les finances. On oui. juste 30 secondes, voilà, euh, comme ils, ils ont évoqué, hein, les infrastructures, euh, que tout le monde voit d'ailleurs, qui est oui. très perspective, mais ces infrastructures et tout ce qui a été pris comme mesure a donné un résultat. Parce que la population pauvre, qui était estimée à 51%, c'est-à-dire 51% de la population est considérée comme pauvre en 2012, quand on sortait de la crise. En 2017, on est passé à 40%. 49%. Ça à dire qu'on avait bougé de 2%. Mmh. Mais aujourd'hui, en 2013, les statistiques nous disent qu'on est à 39%. Est... En 2024 en 2024, pardon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on est pratiquement à 39%. Bon ça, c'est les chiffres de 2023. À 39%. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des efforts qui ont été faits. Mmh. Et nous tous, on le constate d'une manière ou d'une autre. Mais comme je le dis, moi, je suis toujours regardant sur la nécessité de faire mieux. Et comme on est perfectionniste, on estime qu'on peut encore faire des efforts au niveau de la dette. Très bien, je vais vous envoyer sur un autre terrain mmh. très rapidement, ma très chère Pascal. C'est vraiment de se dire, est-ce que selon vous, on, est, on parle de 25 000 milliards de dettes. Il y a sans doute des dettes passées, des dettes aussi d'aujourd'hui. De, est-ce que tous les, les investissements, on parle de 19 000 milliards d'investissements, est-ce que pour vous le ratio il est bon Pensons mmh. maintenant, d'accord, la dette, est-ce que c'est mmh. bien Est-ce bon. est qu'on l'a bien utilisée Est-ce est qu'on a bien utilisé cette dette ah, On parle de 19 000 milliards d'investissements. Vous allez voir, préparez votre question et votre réponse. Ça va être très intéressant. Mais on va entendre celle d'un téléspectateur qui nous a appelé qui, qui, nous, ouais, qui oui. nous a appelé sur le 98 070. Monsieur Koulibaly, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. oui bonsoir, vous allez bien, j'espère. Votre point de vue oui. sur le sujet de la dette Oui, euh, bonsoir, j'espère que vous m'entendez. Très, très bien. Bon, euh, j'ai repris l'émission depuis tout à l'heure. Et bon, c'est que, euh, d'abord, merci de me recevoir dans, dans votre émission. C'est notre que plaisir, très cher. Euh, bon, euh, excusez-moi pour ce que je veux dire, je ne veux pas être euh, assez rude, mais bon, comme il n'y a pas d'avis contraire sur le plateau, vous êtes tous dans le, dans le sens du gouvernement, on, on peut se permettre de mettre un avis contraire. Allez-y, euh, allez-y, euh, allez-y. C'est normal allez pour l'opposition de contester la, le, 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 euh, le poids de la dette. Bon, Peut-être que vos journalistes le plateau vont le confirmer, mais tout dernièrement, le gouvernement a été euh, enjoint d'arrêter de subventionner certaines choses qui subventionnaient pas des, des, des instituts. Par la mission des finances internationales, parce que ça ne, ça ne, ça ne rentrait pas dans, dans la conformité. On, on, on vous a perdu, M. Koulibaly vous, vous êtes là il, est là il est là. D'accord. Il je vous entend. On vous, on vous vous en avait perdu à, à quelques voire. points. Vous, vous disiez que tout, tout dernièrement, non, de le je, gouvernement je, avait je, été enjoint. J'aurais appris, je ne sais pas si l'information est vraie, j'aurais appris que le gouvernement, par rapport à l'électricité qu'il. Euh, euh, je ne reçois plus. Monsieur Koulibaly, on a bien compris ce on que a vous bien dites. Perçu, hein. Eh bien, l'information est avérée. Euh, dans le oui, cadre. Oui, donc... Mais justement, je vais, je vais vous laisser la parole et peut-être permettre à Daouda d'avoir un échange avec vous. Effectivement, oui, je oui. confirme l'information. L'information est avérée. Mm -hmm. Les institutions partenaires de la Côte d'Ivoire, qui nous font mm -hmm. des appuis sur un certain nombre de programmes, mm -hmm. considèrent mm -hmm. que notre façon, par exemple, d'utiliser les finances publiques, dont la dette, pour financer, par exemple... Euh, euh, l'électricité ou subventionner, subventionner des ouais. trucs n'est pas n'est pas une bonne méthode et il faut changer donc ils ont attiré l'attention là-dessus et sur ce point-là vous n'êtes pas d'accord Daouda peut-être un échange avec lui ben, Monsieur Koulibaly, moi je, je comprends ce que vous dites et comme André le disait euh, les propos sont vrais mais disons le clairement tout ça est venu de quoi d'une question de vie chère mm. la vie chère qui est due d'abord selon ce qui a été dit à la à la crise russo ukrainienne au changement climatique et à la Covid donc la bando, la voilà la crise, et donc techniquement je vais juste terminer, permettez oui. juste. Oui, oui, oui. Donc, ce qui il a, il a, qu arrive, c'est que on ne peut pas prendre l'argent des investisseurs, des financiers de, 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 de financier le Bretton Woods parce qu'eux, ils estiment que cet argent doit servir à des projets structurants. Mm -hmm. Donc, on ne peut pas prendre cet argent pour aller subventionner du riz, aller subventionner le pétrole, aller subventionner l'électricité. Donc, c'est de ça qu'il C'est Ce que vous dites n'est pas faux, c'est vrai, mais, mais dans la gestion, ça ne se passe pas comme ça. Très bien. Mais ok. Merci. Je vais, juste, je vais juste rebondir et après, et après euh, laisser la ligne. Donc, de deux choses l'une. Allez-y, allez-y. Monsieur dit, puisque l'information que j'ai donnée est avérée, de deux choses l'une, soit la dette est effectivement mal utilisée, puisqu'elle ne produit pas de richesse, ce qui fait qu'on n'est on pas indépendant des, des institutions. Tout le monde s'endette, hein. mais ce qu'on aimerait, c'est qu'on on, 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 s'endette moins et qu'on produise encore plus de richesse parce qu'on en est capable. Voilà. J'ai écouté euh, les députés parler et il y a un député qui a dit que. La dette est mal investie. Je pense que je suis d'accord avec ce député. Oui. Quand il a évoqué les secteurs dans lesquels on peut investir pour faire encore plus de richesses. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly. Il nous appelait d'engrais. Il a donné son point. Daouda a réagi sur la question. Ensuite, il y a Élisée qui voudrait faire un point. Oui. Élisée ou Pascal alors, moi, je voudrais euh, réagir également par rapport à ce que vient de dire notre, euh, notre téléspectateur. Qui avait l'impression qu'on était, on était monocolore ici sur le plateau. Non, je pense qu'on a d'abord établi les faits, mais aussi, il y a des, des, les questions, par exemple, d'indices de développement humain, où nous ne sommes pas très bons. Nous évoluons, mais un pays, par exemple, comme le Sénégal, euh, est devant nous en matière d'indices de développement humain. Donc, Élisée le disait tout à l'heure, on est regardant sur la gouvernance. Euh, on est regardant aussi sur ce que finalement peut, être, peut devenir notre souveraineté financière. Mmh. Quand vous prenez euh, de la dette, qu euh, jusqu'à quel mmh. degré ceux qui vous fournissent cette dette-là peuvent s'ingérer dans la façon dont vous la dépensez C'est peut-être ça aussi les enjeux de compréhension qu'il faut venir compléter euh, pour euh, le grand public. Et ce bémol-là, il ne s'arrête pas euh, seulement à l'indice de développement humain mmh. il y a aussi notre taux notre euh, espérance de vie en mmh. Côte d'Ivoire, on est 3% de moins que la moyenne de la sous-région. Ce sont des challenges pour nous et je suis sûre que quand, quand on parlait de levier structurel, bah, investir dans les centres de santé, subventionner les cantines scolaires, euh, augmenter euh, euh, tout ce qui relève, c'est vrai, d'un état social, mmh. nous n'en sommes pas mmh. vraiment un, mais mmh. en tout cas de ce qui soutient les familles, Très ça bien. peut aider. Très bien, mais on a une chose aussi. On va Je très rapidement. Je rap rebondis, permettez bon. qu'Elysée rebondisse quand rapidement. On investit, par exemple, Marie dans l'éducation. Ah oui va rebondir rapidement et puis ensuite, oui, je à toi. Moi, je, Moi, je, je pense que la question de la dette, on ne peut pas la regarder dans un seul sens, c'est-à-dire mm. juste regarder la dette. La dette, on parle de la dette parce qu'il y a la création de richesses. C'est cela. Aujourd'hui, il faut mettre en face de la dette la création de richesses. Mm. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on quitte 2011 et qu'on arrive en 2024, on est passé, pour ce qui concerne le ratio de la dette, de 8 000 milliards mm -hmm. à 25 000 milliards, soit multiplié par 3. Mais regardez la richesse qui a été créée. On part de 12 000 milliards à 52 000 milliards. Ça a dire multiplié par 8 pratiquement. Donc, à, multiplié par ouais, 5 ou 6 par là. Donc, quelque part, on se, on se rend compte qu'il y a eu un effort qui a été réalisé. Mm -hmm. Il y a eu quelque chose qui a été fait. On n'est pas en train... Comme moi, je le dis très souvent. Je dis, on n'est pas dans l'émotion. Vous savez, il y a des sujets, là. On ne on les regarde pas avec l'émotion. On les regarde à froid de façon posée. Mm. Aujourd'hui, la voici des chiffres. Est-ce que les gens qui contestent ce que le gouvernement dit peuvent envoyer des chiffres contraires Si on envoient des chiffres contraires, on discute ces chiffres. Mais ces chiffres-là sont des chiffres, oui, ce sont des chiffres qu'on retrouve à tous les niveaux, même au niveau de ceux qui contestent. Donc il faut. Il faut, Maurice, qu il faut, ça, faut, faut que vous soyez très court parce qu'on va prendre notre invité. On a un deuxième sujet mm. très important. Allons-y rapidement en matière d'orientation de l'investissement de la dette. Hein, les dettes que nous contractons, comment le gouvernement les oriente Le ministre a été assez clair et les faits sont là. Moi qui vous parle, j'ai travaillé par le passé avec le ministre Léon-Emmanuel Monet ainsi que le ministre, euh, j'allais dire en tant que leader des organisations de consommateurs nous avions travaillé également avec le ministre Augustin au komoué On sait à cette époque-là le niveau justement du, de besoin d'augmentation du coût de l'électricité et du carburant. On sait le nombre de grèves que cela a provoqué dans ce pays. Donc, vous avez mais, mais bien sûr, je sais, je suis un sachant. Donc on ne vient pas là pour faire de jeu d'un autre camp politique contre un autre. Non, moi je ne joue pas à ce jeu-là. Je ne mange à la table d'aucun roi. Dans ce pays. Non, non, ce et je ne travaille pour aucun euh... gouvernement, encore moins pour un parti politique. Moi, je suis là, je Très fais bien, des Marie constats Sommée. réels. Et les constats, c'est que la situation aujourd'hui est meilleure que celle d'hier. Très, Très bien. bien. On, on a ces on, 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 on ne va pas, euh, évidemment, faire un, un sujet. Mais la chose est claire, c'est que c'est ça encore la démocratie. Il faut juste vous dire que les uns et les autres n'ont pas la même perception de la façon de gérer notre, notre dette, la façon de gérer les finances publiques et nous allons encore et toujours inviter les uns et les autres Exactement. à débattre sur la question, sur la question ici. Exactement. Autre sujet, parce que ça a fait l'actualité, rappelez-vous, il y a quelques mois, mm -hmm. c'est un sujet qui a provoqué beaucoup d'émoi, de nombreux Ivoiriens avaient investi dans ce qu'on a appelé les compagnies de VTC, d'investissement mm -hmm. dans le transport, mm -hmm. ils faisaient des publicités sur leurs véhicules de le transport, etc. Et puis… Et tout ça a été arrêté par le gouvernement un beau matin. Derrière, les souscripteurs s'attendaient à se voir rembourser leur mise et cela a du mal à arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est que la Fédération dont une Scolaire de Côte d'Ivoire a décidé d'y mettre son petit grain de sel. Et ça, <laughs> est-ce que ça ne va pas gâter le goût de la sauce Alors, vous savez, la Fédération a une façon particulière de faire les choses. Hein. Lorsqu'elle rentre en ligne de compte, André, les choses bougent, mais rapidement et à leur façon. Alors, il s'agit que la FECI a décidé donc de saisir les taxis KDS. Est-ce que vous confirmez cette information, monsieur le secrétaire général national de la FECI Bonsoir déjà, je n'ai même pas dit bonsoir. bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous euh, Très bien. bien. Allez-y. Alors, que se passe-t-il avec euh, l'initiateur le, le, donc de la société KDS et les taxis KDS okay. Avant tout propos, on tient à vous dire merci notre pour plaisir. cette invitation sur ce prestigieux podium. Il faut le dire, depuis notre arrivée à la tête de la FECI, on a été approché par une centaine d'étudiants, mm -hmm. souscripteurs au niveau des KDS. Mm -hmm. voilà. Le contrat qui les lie à KDS, les clauses n'ont pas été respectées du côté des KDS. On a entrepris plusieurs démarches dans le but de rentrer en contact avec la direction de KDS mm -hmm. afin de trouver des solutions. Malheureusement, on n'a pas été... On n'a pas pu avoir... voilà, de mm -hmm. co favorable mm -hmm c'est gars, mener les uns les autres à l'action d'hier. Non, mais c'est qui les uns les, les autres Les uns, c'est qui Ce sont qui... vos éléments, des éléments incontrôlés. Des camarades de la fessie. Non, des camarades de la Fessie. Et ça vous fait parce que on rire, parce qu'on revient toujours <laughs> au même problème. Dans, un, dans ce pays, il y a, la, 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 la Fessie ne croit pas en la justice de ce pays. Parce qu'à un certain moment, quand il y a deux, deux Ivoiriens, deux euh, compatriotes qui sont en litige, ce n'est pas à la FESI de régler ce litige. C'est un litige voilà. qui est laissé à la Évidemment. justice. Chacun va se plaindre et ils envoient la police, le procureur, etc. Et puis tout le monde agit. Pourquoi la FESI s'ingère dans un dossier en utilisant parfois des voies de fait Est-ce que la FESI est un État dans un État Non. La FESI n'est pas un État dans un État. Notre mission, c'est de défendre les intérêts des élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Très bien. Ce sont des étudiants oui. qui ont souscrit à cette question des KDS. Je vous assure qu'il y a une centaine de plaintes. Mm -hmm. Les étudiants, sont, quand ils sont venus première fois nous voir, on leur a demandé d'aller porter des plaintes. Mm -hmm. Ils sont allés dans les commissariats, ils sont allés à la gendarmerie, oui. ils sont allés à la police économique. Mm -hmm. Il n'y a pas eu de suite défavorable. Donc vous avez décidé de vous faire justice vous-même en pas. saisissant les taxis bon, On a décidé de se faire entendre. Pour que les autorités d'en face sachent que la question, elle est sérieuse. Vous voyez, on demande aux étudiants mm. d'investir. Mm. Chez nous, à la fac, il y a un secrétariat qui est chargé de l'insertion professionnelle où on encourage les étudiants à investir. Ils à utilisent de, l l argent de bouche, oui, mmh. pour faire de l'entrepreneuriat. Mmh. Et quelqu'un de ta côté bloque cet argent. Où... Mais l'État a tous les mécanismes pour condamner ce dernier. Mais depuis près d'un an, il y a eu des plaintes. Mais ça n'a pas bougé. Et ça ne bouge pas. Bon, mmh. donc ça veut dire quoi Ceux qui ne sont pas de la FESI, parce que la FESI quand même, vous allez prendre la parole, la FESI est un syndicat mmh. qui a pour ambition la justice sociale. Mmh. On est d'accord oui. Donc si vous bloquez les taxis... Au, au nom de vos militants qui sont membres de, 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 de cette Mais société, qui ont qu on souscrit, et les autres Ivoiriens qui sont concernés par la question. Eux, ils n'ont pas de fessier pour les aider. Ils font quoi Ils ont des syndicats, non ils ils Des syndicats, syndicat comment oui. Monsieur Yao, qui est à Pumashi, <laughs> ou euh, euh, la, la Tata Adjaratu qui est quelque part à Daloa, qui a souscrit. Qui, qui, elle, fait confiance à l'État. la l justice ivoirienne. À, voilà. à la justice ivoirienne, elle a besoin de la FESI mm -hmm. pour faire pression sur la justice. Mais, vous Mais voyez... pas que la FESI se fasse justice pour ses membres. Non, pas qu'on se fasse justice. Aujourd'hui, grâce à l'action qui a été menée par la FESI, tous les Ivoiriens s'intéressent au dossier. Très bien. Et je vous assure que Et ça fait bouger les lignes ?– Les choses vont bouger. Ah, ok. Ça, ça c'est intéressant. Élisée vous, Élysée, vous voulez Élysée, réagir vrai. rapidement. Oui, moi, moi, moi c'est peut-être pour renforcer un peu ce que André est en train de dire. Hein. Vous dites que les étudiants ont porté plainte. Ils sont allés rencontrer, ils sont allés par porter plainte à la police, à la gendarmerie. Et d'après vous-même, rien n'est fait jusque là. Mmh. Mais moi, je pense que la démarche que la FCI devrait faire, est-ce que vous ne pensiez pas que c'était avec vos étudiants, les plaignants, aller rencontrer la police et la gendarmerie pour voir à quel niveau la procédure est, plutôt que de descendre et par voie de fait se faire entendre. C'est comme si, justement, comme il expliquait si bien, vous avez tellement la force. Que vous pouvez outrepasser les pouvoirs publics et faire ce que vous avez envie de faire Est-ce que ce n'est pas l'image que vous, vous avez Comment réagissez-vous à cette question, G? Je voudrais dire que parmi nous, mm -hmm. il y a certains qui ont porté des plaintes. Mm -hmm. Vous pouvez aller vérifier. Non, non, on en a en pas. 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 Si M. Is, mm -hmm. qui est étudiant, que nous connaissons bien, qui a porté une plainte pour la question de KDS depuis près d'un an, d'autres même sont allés au procès. On a demandé au PDG des KDS de rembourser. Il mm -hmm. ne le fait pas. On décide de rencontrer l'adhésion des KDS pour trouver une solution à l'amiable. Mm -hmm. Il refuse de nous recevoir. Mm. Que vous devez qu'on fasse Non mais c'est une affaire entre deux citoyens. C'est une affaire civile entre deux citoyens. Enfin, Qu'est-ce que la si a fait C'est une affaire entre mais... des étudiants. Oui, même s'ils sont étudiants. <laughs> vous, savez, vous comprenez, euh, Sier qu oui. C'est que vous êtes en train de catégoriser les ivoiriens face à la justice. Nous sommes tous égaux. Et donc, c'est pour ça qu'on va permettre à, Marie -Pascal, à Pascal Pascal de pouvoir réagir, Souquier, de réagir et, de, et de vous poser... C'est la question que nous, on pose. Non, On se oui, pose la question, mais pourquoi la fessée réagit Et vous euh, poser une question. Oui, alors, je n'absous pas KDS, au contraire. Hum. KDS est d'ailleurs inscrit, comme les autres sociétés de transport, SOTOC, VTC, Depuis le 15 mai 2023, des audits ont été commandés par le Trésor public. Donc, hum. l'État... Est en train de chercher à Regardez comprendre ce qui se passe au niveau de ces sociétés de transport parce qu'elles ont fait des offres alléchantes aux Ivoiriens. Et oui, l'entrepreneuriat est encouragé en Côte d'Ivoire et vous avez bien fait donc de souscrire à ces offres-là parce que si ces sociétés ont pu émerger, ça veut dire qu'il y a eu des contrôles en amont qui ont fait que vous, vous êtes allé souscrire en confiance. Là où je ne comprends plus votre action, c'est que oui, effectivement, ici. Au lieu que nous nous mettions avec vous, parce que quand on n'est pas d'accord, on peut faire des citines, les plaintes, elles, le temps de la justice peut être long. Et je peux comprendre. Moi-même, je connais certaines personnes qui ont investi toutes leurs économies dans ces histoires de VTC et qui aujourd'hui ne, ne voient pas le bout du tunnel. Mais il faut savoir raison garder. La fait, si vous venez, vous, êtes, vous avez été élu il n'y a pas très longtemps, vous aviez Tenu un discours lors de, de, vos, de votre campagne Discours pacifique une nouvelle Qui disait Fécie. également que vous vouliez changer cette image un peu de vindicative de ouais. la FESI. Et ce type d'action ne vient pas militer en faveur de ce que vous avez pris comme engagement. Réponse Donc, à voilà. ça Bon, Vos engagements n'ont pas oui. été respectés Moi, je ne vois pas ça comme ça. Si. Vous étiez à ma place mmh. et que vous voyez les réalités sur le terrain, mmh. et que chaque jour vous recevez des dizaines d'étudiants qui viennent pleurer mmh. pour les problèmes d'inscription, pour les... d'autres qui ont pris l'argent d'héritage pour aller souscrire, et qu'aujourd'hui les études vont prendre fin, ils vont porter plainte, ça ne bouge pas, vous serez obligés de réagir. On était dos au Oui, non, donc on... là, la question pour c'est quel type nous, de réaction nous... on doit avoir C'est un cri de cœur mmh. mmh. pour que les étudiants d'en face comprennent qu'il y a urgence. Et aujourd'hui, grâce à cette action, on a été reçu par la police ah. en présence du PDG de KDS. KDS où il a qu'est-ce qu'il a, qu a dit il, il a encore promis. Il, il a encore promis, mais oui. cette fois-ci, on prend le policière policier à, à témoin. témoin. Il Donc dit à parlé du si 3 Avril, qu'est-ce que vous allez oui. faire Il a dit après le 3 avril, 3 avril il, il va avril. commencer les paiements. C'est-à-dire dans moins de 15 jours. Les paiements en priorité de la FSI. Est-ce qu'il a précisé Oui, parce que là encore, oui, il, oui, a la il a y aura un petit d'égalité. On oui. va payer d'abord -ce ceux de la La liste des étudiants, il a dit qu'il prendra en compte désormais la liste des étudiants et qu'il va faire de ça une certaine priorité. Et d'ici le 3 avril, il va commencer les paiements. Écoutons Daouda. Merci, M. le Secrétaire général. Moi, j'ai deux questions pour vous, très rapidement. La première question, c'est que aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez outrepassé vos prérogatives Première question. La deuxième question, vous, avez, vous dites qu'il a décidé de, de, de rembourser. Aujourd'hui, le montant de l'investissement des étudiants s'élève à combien Ok, je commence par la première question déjà. Notre mission, c'est de défendre les intérêts des étudiants. Oui. Les, Et les intérêts sur oui. les campus, les... Hein, mm. pour faire l'école, pour aller à l'école. Il y un le étudiant campus. qui va investir avec quelqu'un dehors, Pas en quoi ça vous concerne Partout. Où l'étudiant est impliqué, vous vous sentez concerné. On défend les intérêts des étudiants. C'est un Très débat qu'on va avoir. Répondez aux par questions de je parlais d'une centaine d'étudiants. Mm -hmm. Et quand on a fait les calculs, on était à plus de 115 millions mm -hmm. Mm -hmm. Des étudiants. Mm -hmm. Il représentait on... combien d'étudiants environ il dit, il une, centaine. Une centaine. D'une ah, pardon. 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 Voilà. centaine, parce que jusqu'à moment, il y a deux étudiants qui continuent de nous appeler. Mm -hmm. D'accord, très, très bien. Vous voyez qu'on encourage l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Et ces étudiants-là, généralement, ce sont des gens qui ont pris leur argent de bourse, ils se sont associés à deux, trois, quatre, mm -hmm. pour pouvoir avoir un véhicule, qui... voilà. Marius scève question au secrétaire général. Mais comment est-ce que justement vous réagissez au fait que les plaintes avaient été faites depuis longtemps et pas de réaction et quand la FCSI fait une action, réaction. Comment est-ce que vous analysez ceci avant Donc, votre question? Le problème que nous avons euh, justement dans le fonctionnement de notre République, c'est bien cela. Ouais. Il n'y a pas même que la FCSI. Il y a de simples citoyens lambda, des mmh. cadres, peu importe leur statut, portent des plaintes contre des individus dont l'activité ou que dis-je, dont l'attitude mmh. ou le comportement prête vraiment à confusion. Qui semble véritablement gruger leurs compatriotes, malheureusement, ça reste dans les tiroirs. Et donc, de, de va-et-vient, de va eh bien, l'affaire n'a jamais trouvé solution. Bon, si c'était pas la FECI, on a vu le cas de Stamotos, hein, une structure de, de, du même type que, euh, que KDS, KDS mmh. qui a extorqué une multitude de citoyens ivoiriens mmh. dans le même dans le même système et avec le même système. Et puis, l'affaire est restée comme ça. Il a fallu que qu'une de ses victimes, victimes nous saisisse en tant que leader d'opinion et que nous l'assissions devant la justice à, à, avant que l'opérateur s'exécute à lui restituer ses dues. C'est inacceptable. Il faut que nos, nos institutions jouent à chaque, chacun à son humble niveau eh bien, son rôle. Et euh, j'espère bien que la rencontre avec euh, l'autorité policière de ce jour a été sanctionnée par un PV. Oui, tant mieux. Un comité qui a été mis en... un comité de suivi qui a été mis en place. D Ici la semaine prochaine, déjà, on va se retrouver pour voir l'avancée des choses. Il y a les souscripteurs, mm -hmm. il y a un représentant de la FESI, oui. il y a la police, et il y a le PDG des KDS, KDS. et certains de ses agents. Et non les... vous avez... oui. Pardon. Oui, Allez-y, Damoda. Je pense que vous avez confis... confisqué des voitures, une dizaine de voitures. Est-ce que les voitures aujourd'hui ont été, en ont été restituées confisquer cet Audi. Oui. On a exprimé notre mécontentement en faisant même bâche Mais est-ce que voilà. c'était la bonne que, manière Soyons francs. Regardez-moi dans les yeux. Oui. Est-ce que c'était <laughs> la bonne façon de faire vous, vous avez déjà une grande gueule la fécile. Votre cri peut être entendu, mais est-ce qu'il fallait aller bloquer des véhicules avant d'y C'était un bon exemple. Avant d'y arriver, mmh. on a crié. Vous, est vous estimez avoir depuis longtemps. mon élection, mmh. oui. Chaque semaine, j'envoie une délégation à la direction des KDS. Ça. Mmh. Souvent, on va la dernière mission, c'était le lundi je suis passé. Mmh. Les camarades qui sont partis sont restés des 17 heures, des de 17h, de 15h à 20h. Et ils n'ont pas été ils reçus. Ils n'ont pas été reçus. Quand le monsieur sort KDS. dit, souvent quand le monsieur sort et dit laissez votre numéro, je vous rappelle, la même délégation revient deux jours après quand il sort il dit laissez votre numéro, je vous rappelle. Une fois, deux fois, trois fois, cinq fois. Donc vous aviez fait des tentatives voilà. de dialogue, Plusieurs de, tentatives de, 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 de dialogue. Est Mais est-ce est que aujourd'hui euh, vraiment? Ah, Oh. Oui, allez-y quand vous, même. Est-ce que aujourd'hui, c'est court on va pas, parce que oh, j'ai qu <laughs> <chose d> <laughs> oui. oui. Est-ce <laughs> qu <'on aujourd> <laughs> concrètement, euh, après ce qui vient de se passer, est-ce que vous n'avez pas peur que finalement l'État se dise non, la si, on, on vous met un blocus à, à, à cause de là que vous êtes en train d'époser, on, on essaie de vous faire justice. Non, on n'a pas beaucoup de temps qui non, à à On n'est pas en train de se faire justice. Je dis c'est comme un enfant dans la cour. Tu as un enfant qui a mal, depuis il exprime le mal. Et puis la maman ne réagit pas. L'enfant, il vient vers papa et puis il pleure fort. Mm. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est ce que vous avez fait. Et il est terminé. là, vous avez évoqué la rencontre avec l'autorité policière. Je veux juste savoir quelle a été l'action ou l'intervention ou les propos de l'autorité policière à l'endroit de la fessie. Est-ce qu'il a, a condamné votre attitude ou est-ce que c'était juste ce que vous avez fait Depuis hier nuit, on, euh, on est en contact avec la police. On leur avait demandé. On avait déjà accepté que les véhicules soient restitués depuis voilà, hier. Mmh. Mais ce qui a bloqué un peu, c'est que nous, on voulait que les chauffeurs soient là. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on donne les véhicules, puis après, les mêmes chauffeurs vont aller et dire que nous on a perdu des choses. Mmh. Donc, il faut que tout le monde soit là pour être sûr qu'on n'a rien pris, rien n'a été cassé. Mmh. Voilà, pour Ça, jouer est, aussi notre jeu C'est très de intéressant ce que vous êtes Je en train de dire. dire. Pas dit, oui. Oui. tous les chauffeurs de KDS hier, mmh. c'est nous qui les avons nourris à midi. Très bien. Ah. Ils ont bien mangé. Ça Ceux mange. n'avaient pas de transport pour entrer. Vous on s'est arrangé à payer les transports. Très, Très bien. bien. Ça c'est intéressant. Ça dans ça. Dans la on termine dessus ces deux choses. Vous me répondez ou par oui ou pas, non. Est-ce que vous pensez pas que cet acte peut effrayer mm -hmm. certains chauffeurs de taxi qui s'aventurent autour du campus Ça peut être un peu un peu violent. de voir un groupe d'étudiants arriver pour attraper un taxi. Est-ce mm. que ça Vous pensez que c'est un acte quand même qui peut être jugé difficilement Oui ou non Pour vous ça va Par moment. On, dit, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les yeux. Très bien. Donc, de, a dernière une... question et on termine là-dessus. Qu'est-ce que les souscripteurs étudiants ont promis à la Fessie Ils ont promis une petite ristoune Rien. Un petit 10 Rien. Vous êtes des hommes de la presse, menez les enquêtes. Le jour Très où vous vous rendez compte que nous sommes inscrits dans ça, dénoncez-nous publiquement. Moi, Très quoi, bien. Pour terminer, si le 3, rien n'est fait, que va-t-il se passer Là, c'est l'autorité policière qui serait bernée. Puisque désormais, c'est eux, on a pris. Comme témoin. Comme témoin. Très, Très bien. bien. Merci beaucoup, Monsieur Combo. le Secrétaire général de la FCSF, comme vous remercie d'être venu éclairer nos lanternes nous qui sur vous cette nous affaire. Remercions. Merci d'être venu. On va faire une pause hein, et on se retrouve juste après, à tout à l'heure. Nous sommes de retour et tout notre plateau est présent. Marius, Daouda, Pascal, Élisée, mais nous a rejoint André, Maître Serge Ouraga. Il est le vice-président en charge des affaires juridiques, des libertés publiques et des droits de l'homme. Au COGEP. Et avec vous, justement, on va essayer de regarder, de faire un balayage sur l'actualité nationale et internationale, avoir le point de vue voilà, du COGEP sur les sujets brûlants de l'heure. Merci d'être avec nous. Il faut Comment également rappeler brûles. que vous êtes le pas de parole, ou bien souligner que vous êtes le pas de parole également du euh, COGEP. Du parti donc, euh, dirigé par Charles Blégoudé. Très bien. Alors, commençons justement par l'actualité hein, qui se passe chez nos voisins, les Sénégalais. Euh, voilà, l'élection. Euh, de, de MyFi à la tête euh, du Sénégal. Je pense que dans quelques semaines, il y aura la passation. Quel est votre regard de, au, point de vue, enfin, au vu de tout ce qui s'est passé au Sénégal Comment est-ce que vous l'appréciez au COGEP Alors, je vous remercie. C'est notre plaisir. Euh, tout d'abord, il euh, faut saluer le Sénégal. Alors, ce que nous avons comme, la perception que nous avons de cette situation au Sénégal, c'est d'entrée de jeu, euh, on remarque bien que nous avons un pays qui construit une démocratie. Alors, on félicite le Sénégal, mais on perd de vue l'idée que la démocratie n'est pas arrivée au Sénégal comme par enchantement. Mmh. C'est le fruit d'une construction. Mmh. On se félicite de ce que le président Macky Sall a félicité le président Diomarifaye, mmh. mais bien avant lui, le président Wade l'avait fait pour le président Macky Sall. Le président Diouf l'avait fait pour le président Ouad. Qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas un fait isolé. C'est une construction, c'est une culture démocratique par la volonté des hommes politiques, de la classe politique, de la société civile, de tout ce qui anime les institutions de la République, de la République sénégalaise. Donc, voilà un peu. Ce que nous voyons, c'est que les Sénégalais ont décidé de faire de leur pays un pays démocratique. Très bien. Est-ce qu'il euh, y a des, euh, des exemples Enfin, je ne vais même pas dire exemples. Est-ce qu'il y a des enseignements que vous tirez euh, au profit de la Côte d'Ivoire mmh. en vous disant bah, ce qui se passe au Sénégal, nous, euh, bon, enfin, là, on s'en fout, ou bien ça peut nous intéresser Enfin voilà, qu quels sont euh, les enseignements que vous, vous qui, essayez de qu tirer que pensez être pourront être dupliqués ici en Côte d'Ivoire Effectivement, c'est une élection riche en enseignements. Mmh. Euh, Laquelle Alors, regardez. Je vais prendre le cas du président Macky Sall. Mmh. Certains ont décrit, ont critiqué le président Macky Sall. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé le président Macky Sall n'a pas exclu à un moment donné l'idée de se présenter à un troisième mandat face à la grogne d'une partie de son peuple. Il recule. Il dit je fais l'économie d'une crise pour permettre donc à mon pays de vivre tranquillement. Qu'est-ce qu'il fait après Une loi d'amnistie. Une loi d'amnistie qui ne vise pas un, un autre, mais une loi d'amnistie qui s'étend à tous les acteurs politiques cette loi d'amnistie va permettre à tous ceux qui veulent se présenter se présenter. Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait sous nos tropiques, quand même. Très souvent, on prend des lois d'amnistie en Côte d'Ivoire. Oh, la différence on a vu avec le voilà. 2000, 2002, etc. Pourquoi vous en parlez Je ici dis que ce n'est pas, ouais. finalement, l'exemple, me semble, parce que pour, pour rejoindre un peu aussi euh, euh, Geoffroy Coao, mmh. ça, ça semble un peu trop. Euh, on, est, on est exagérément satisfait d'une situation que parfois nous-mêmes on vit, puisqu'on finit par obtenir les mêmes accords, même en Côte d'Ivoire. Vous êtes témoin de ce qui s'est passé en 2010. Mmh. En 2010, il y a eu une crise. Mmh. Certains ont été amnistiés. D'autres ont été graciés. Mmh. À ce jour, le président Charles Goudé mmh. n'a ni été gracié, ni été amnistié. Il n'y a pas si longtemps, on a eu 50 personnes qui ont été graciées. Mmh. Veut-on tourner la page de cette crise Pourquoi Qu'a fait Charles Goudé qui pourtant a été jugé, acquitté à la Cour pénale internationale, pour que dans son pays, sur sa tête, continue de planer une condamnation à 20 ans de prison. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a été jugé aussi ici, pour d'autres pour faits qui sont différents de ceux qui ont été euh, jugés à la CPI Il s'agit des mêmes faits, M. Daouda. Oui, mais n'empêche qu'au moment des faits euh, à la CPI où il a été jugé, M. Charles Blegoudet et M. Laurent Gbagbo sont libérés pour insuffisance de preuves. Est-ce que vous le reconnaissez au moins Non, pas du tout, pas pour insuffisance de preuves. Attention. Non. Vous le, parlez à un juriste, un maître. Le, le président Charles alliant. D a subi un procès en bonne et due forme. Mmh. D'accord. 82 témoins se sont succédés. Témoins à charge mmh. se sont succédés. Et il a été acquitté. Pour il n'a pas eu de preuves Non. Okay. Pas insuffisance de preuves. Rien ne lui est reproché. Très bien. On n'a rien trouvé dans tout ce qui a été dit des éléments qui permettent d'établir sa culpabilité. Mmh. Il est innocent. Voilà ce que c'est. Donc voici oui. le premier point sur lequel le Sénégal, selon vous, hein, nous dames le pillons. Y aurait-il d'autres points Bien entendu, regardez. La société civile sénégalaise. Mm. Lorsque le, le, le président Macky Sall a évoqué l'idée d'un troisième mandat, mais qui était dehors C'est d'abord la société civile. Ah. D'abord la société non, civile. Ça, c'est intéressant. Ah, ça, oh, oui, oui, bien oui. Sûr, on va ah, mener sûr. le débat à l'instant. Parce que la société civile... Mm -hmm. Est un indice de démocratisation. Alors, Quand monsieur, on... Je, on est bien content de vous entendre dire ça aujourd'hui. Mais bien sûr. Et pourtant, Charles Blegoudet était dans la sphère de décision sous Laurent Gbagbo. Non, monsieur et la société civile n'était pas logée à tel enceinte, comme mmh. vous l'avez affirmé aujourd'hui. Le président Charles Blegoudet. Je suis, bien, je suis bien insachant. Et Charles Blegoudet me connaît très bien. Demandez-le, lui. On Charles a eu beaucoup Bdé. à travailler ensemble. Oui. Ben voilà. Et ce n'est pas comme ça sous Gbagbo, la société civile était vraiment bien vue aussi non plus. Moi, je ne, par... je ne parle pas pour un camp contre un autre, uh -huh. mais j'ai été acteur uh -huh. des deux gouvernances. Et je sais de quoi je vous parle. Mais Justement, c'est ce que nous dénonçons. Ben ben voilà. Ce que nous disons. Tant sur le régime précédent que sur ce régime-ci. Oui, ce que nous disons. Alors, tous les deux régimes maltraitent la société civile. Non, non. Ce que nous disons, c'est pas, pas qu'on maltraite Mais à la société, société. civile. Qu ce que nous disons, il faut que la société civile prenne ses responsabilités. C'est ça. Encore faut-il que les la politiques laissent à la société civile de prendre effectivement ses responsabilités. Allons-y au Sénégal, Marius Komoré Quand vous prenez par exemple une policière balée et qu'on la dépose en prison, et quand sous le régime du président Gbagbo, pour un oui, pour un non, on était interpellé, arrêté. Voilà. Comment la société civile peut s'exprimer Est-ce que selon vous, maître Regard la société civile de Côte d'Ivoire, en quoi est-elle différente de celle du Sénégal Est-ce que celle du Sénégal n'a pas été justement aussi euh, un peu fatiguée, euh, acculée par la police, par la justice, mais a tenu ferme Quelle est la différence entre notre société civile et celle du Sénégal qui a poussé justement Diomai Faye au, au pouvoir suprême Mais la société civile, la différence s'apprécie à l'aune des résultats. Tout simplement, quels sont les résultats de la société civile, des combats minés par la société civile en Côte d'Ivoire, et quels sont les résultats des de, de, de combats minés par la société civile au Sénégal Alors, quand on regarde les résultats des deux sociétés civiles, on voit tout de suite la différence. Voilà. Non, mais est-ce que, est que vous <laughs> n'oubliez pas un, un, un petit <laughs> détail C'est que nous sortons quand même ah. de près de, de, de 10 ans, plus de 10 ans de crise, donc on va dire depuis 1999, oh, enfin, jusqu'en la crise de 2010. Et puis après, la situation un peu d'accalmie, un peu de crainte. Donc la société civile ivoirienne est une société civile quand même qui a une expérience assez douloureuse avec le maintien de l'ordre, tout ce qu'elle a dû subir durant euh, ces, ces longues crises. Et ça aussi, ça, ça joue sur euh, son engagement. Mais bien sûr, ce qu'on dit, on ne critique pas la société civile, mmh. on fait un constat. Mmh. Et nous tous, population, classe politique, nous devons permettre à la société civile d'être indépendante, mmh. suffisamment indépendante pour mener ce combat. On ne peut pas avoir de démocratie de démocratie forte mm -hmm. sans une société civile forte. Ce n'est pas possible. Pascal, vous avez une question à mettre au regard. Oui, j'ai déjà un, un premier constat, mais je vais, je, vais, je vais donner un proverbe. Je crois que c'est dans l'air du temps quand on reçoit <laughs> M. au c'est n'est pas parce que deux villages sont voisins qu'on peut interchanger leur chef. Mmh. Ah, ça veut ça, dire quoi, Pascal ça, ça, ça Et ça vient d'où, déjà Ça vient de moi. Je me suis entraînée <laughs> parce que je savais qu'avec le cojet, tu serais là. Non, plus sérieusement, je voulais dire, il y a eu quand même des morts. Mmh. La société civile, quand même, à le dire notre cher Marius ici, ce n'est pas une entité euh, éthérique. Mmh. Ce sont des gens qui ne font plus des révolutions de salon et qui décident parce qu'il y a telle ou telle décision qui touche à leur quotidien, parce que finalement la politique, elle est faite par des personnes dont les décisions influent notre vie au quotidien dans les moindres détails. Et ces gens-là décident donc au regard de ce que permet la, la loi dans un pays, donc la, la, la liberté de manifester, mmh. qui est une des lois euh, qu'on jalouse. Constitutionnelle, c'est de manifester. C'est ça hein, qu'on appelle la société civile. Je décide, j'appelle Marius, j'appelle d'autres, je dis je ne suis pas d'accord avec telle ou telle posture du gouvernement ou telle annonce, mmh. je veux qu'on aille manifester. Très concrètement, il y a à ce moment-là deux cas de figure. Si vous manifestez et que vous allez à l'encontre de la liberté de ceux hein, qui ne veulent pas manifester ou qui contre-manifestent, vous êtes en train de détruire. Euh, le tissu social, j'ai envie paix de dire. Sociale. Donc, la société civile doit faire attention aussi à comment elle empoigne les sujets de société, les sujets politiques. Mais encore, faudrait-il qu'elle puisse manifester. Parce que quand il y a des morts, quand il y a mm. la police qui charge, quand il y a des casses, -là, là, la société voilà. civile s'éteint. C'est une ne... contribution, en fait. Voilà. Et donc, mm. on ne peut pas, on mm. ne peut pas révolutionner mm. les choses. Mais on a vu ici les images à la télé. Les jeunes au Sénégal, ils sont sortis, ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont manifesté. C'est vrai, il y a eu des morts, mais c'est à déplorer. Mais il faut que la société civile, ça veuille dire quelque chose, c'est la liberté de manifester. Comme l'a dit Christelle, ça c'était une contribution. Peut-être que vous voulez réagir sur la contribution Vous avez après une, une question Non, non, c'est un autre enseignement. Je n'avais mmh. pas fini avec bien. les enseignements. Mmh. Très bien. <laughs> il y en a beaucoup. Ouais. <laughs> OK. Maître Ouraga, il y a une question. Contribution ou question, Élisée a... Question. Question, allez-y. OK. D'accord. Moi, je, 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 Maître Ouraga va, va, va aller avec ses Maître Ouraga. Attention. Ouraga, oui. Ouraga va aller avec ses euh, enseignements, mais je pense qu'on est un peu plus ou moins aligné sur les différentes leçons qu'on peut tirer de. Moi, je vais être pragmatique. Aujourd'hui, nous sommes à 17 mois, disons 16, d'une élection présidentielle au niveau de la Côte d'Ivoire. On vient de sortir d'une élection présidentielle au Sénégal, on a tiré un ensemble d'enseignements. Selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on traverse de façon sereine l'échéance à venir de l'élection présidentielle? Quelles recommandations, quelles solutions propose le COGEP pour que nous sortions tranquillement de ces élections-là et qu'on puisse, une fois en Côte d'Ivoire, sortir d'une élection sans, sans crise. avoir fait la bagarre. Mmh. On permet à de répondre. répondre. Alors, je crois que c'est le point que le président Charles Goudé lui, a déjà abordé. Nous avons, à la différence du Sénégal, des institutions fortes. On fait une comparaison avec le Sénégal, bien entendu, c'est pour cela que je le dis. Non, mais en Côte d'Ivoire... Quand, quand vous parlez d'institutions fortes, ça vous permet de, de marcher oui, là-dessus. Hein. Vous parlez d'institutions oui. fortes. Mais la décision du Conseil constitutionnel a été quand même contestée par mm -hmm. euh, des partis. Enfin, le Conseil constitutionnel reste un acteur quand même de la société ivoirienne ou de ça. la société sénégalaise. Donc il y en a qui contestent, il y en a qui ne contestent pas. Donc c'est pareil hein, au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire. Mais partout. Partout. C'est une décision d'une juridiction oui. et qui peut être contestée, qui peut être ça. critiquée. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais ce que nous disons ici mmh. en Côte d'Ivoire. Mmh. Nous avons dans un premier temps un problème avec la, avec la commission électorale indépendante. Mmh. Ça c'est un fait. Mmh. Les acteurs qui sont impliqués dans l'organisation des élections en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante en mmh. premier, mmh. le Conseil constitutionnel. Mmh. Donc ces deux institutions dans un premier temps doivent nous garantir un processus un processus électoral. Transparent. Comment Comment Et en pratique Ça à dire comment ils s'y prennent pour garantir ça Avant, avant que vous disiez comment. Je veux quand même rester sur le Conseil constitutionnel parce que je crois qu'il y a un gros sujet là-dessus. Mm -hmm. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a pris une décision. Tout à fait. On est d'accord. Mm -hmm. Il se trouve qu'il y a des Sénégalais qui étaient pour il y en a un qui étaient contre, mm -hmm. dont Karim Ouad et ses camarades. Mm -hmm. Ils étaient contre. Parce que la, la candidature de Karim Ouad n'a pas été retenue. Tout à fait. Eux, ils auraient pu penser que c'est une décision anticonstitutionnelle. Mais pour, pour autant, ils ont composé avec la décision pour aller aux élections. C'est pour ça que ça devient intéressant dans que, la question que nous, on vous pose. Le comment Comment nous, en Côte d'Ivoire, mmh. bien coup, que, la, la, parce que la décision du Conseil constitutionnel ne va jamais arranger tout le monde, mmh. mais comment eux sont arrivés à accepter cette, déc voilà, cette décision exactement. Et nous, on ne peut pas le faire parce qu'on a le sentiment que la, le Conseil constitutionnel doit donner une décision qui va agréer tout le monde. Alors qu'on sait naturellement que c'est impossible. Comment est-ce que vous réagissez à cela, maître Alors, je crois que tout part de quoi oui. de la confiance que nous, en, que nous avons dans nos institutions. En Côte d'Ivoire, nous n'avons pas confiance en nos institutions. Et donc, sais, finalement, c'est vous, les politiques, qui avez le problème. Permettez-moi de vous dire, <laughs> parce qu'au Sénégal, je ne oui. suis pas sûr que tout bon. le monde a confiance au Conseil constitutionnel, parce qu'il a écarté oui. le chose Karim Ouad. C'était pas le seul, d'ailleurs. Voilà, et pas même seul, pas le seul. Plus, donc, oui. je que, instant, et pourtant, vous, aujourd'hui, tout le monde dit ah, « à le Conseil constitutionnel sénégalais ». Mais il a fait son travail selon sa perception de la réalité. Et les gens ont Et les gens ont suivi. suivi. Oui. Est-ce que le fond du sujet, ce n'est pas la capacité des gens à suivre finalement ce que les hommes du conseil constitutionnel ont décidé. Mais c'est à voilà. deux niveaux. Mais là, il ils disent qu'ils n'ont pas confiance, justement. Mais pourquoi il, il, Parce que c'est à... eux qui sont là. Non, c'est qu à, à deux niveaux. Allez-y, deux niveaux. Le premier. Il y a la confiance que nous avons dans nos institutions, mais il y a également la responsabilité que, nous, que ceux qui animent nos institutions ont. Mm -hmm. mm -hmm. C'est ça. C'est à deux niveaux. Comment est-ce que je fais mon travail Est-ce que je fais mon travail de telle façon que ceux pour qui je le fais sont suffisamment rassurés mm -hmm. C'est ça. On n'a pas confiance. Pourquoi Parce qu'on estime que ceux qui font ce travail, ceux qui animent ces institutions, mmh. eux-mêmes ne font pas ce qu'il faut pour nous rassurer. C'est ça, la commission électorale indépendante. Qu'est-ce qu'elle devrait faire pour vous rassurer -vous, On revient à la question d'Elysée. Oui. Qu'est-ce qu'elle devrait faire pour vous rassurer et garantir des sur élections sa composition, sur le découpage voilà, électoral Mais -ce que justement, c'est cela. Déjà, on parle de la composition de la commission électorale indépendante. À ce niveau, il y a déjà un problème. Mmh. Mais nous au coup' ce qu'on a dit mmh. c'est que nous estimons que la commission électorale est trop partisane elle est partisane elle est animée par des partis politiques. À partir de ce moment l'arbitre qui lui-même est partisan mais quelle crédibilité nous on lui accorde Mais il est partisan de qui parce que pour être partisan faut il faut qu'il soit partisan de mais parce que la, au mais, la commission des autres. mais bien sûr la commission électorale est animée par des partis politiques. Les représentants du oui, parti mais il y a un équilibre. moment il y a l'équilibre. On, on va dire ça, ça, ça finit par tuer tout esprit partisan. Non, mais chacun vient défendre ses intérêts. C'est ça le problème. Chacun vient défendre ses intérêts. Et même là encore, tous les partis politiques ne sont pas représentés mmh. au sein de la commission électorale. Mmh. électorale Très bien. Électorale. On ne pourra pas s'entendre. C'est ce clair. Une proposition. Et Didier avait demandé ce que vous proposez. Ce que oui. nous proposons, oui. c'est que la commission électorale indépendante mmh. soit débarrassée de les partis politiques. On pourrait revenir par exemple au, au, au ministère de l'Intérieur simplement Par exemple Je n'ai pas exclu. Mais nous, est civile, civile. Civile. Nous, nous, est nous estimons qu'en Côte d'Ivoire, oui il y a des personnes qui sont suffisamment impartiales. Parce que vous dites mmh. la souhaitée civile, mais moi, je n'ai pas confiance en Marouche. <laughs> Comment on fait Moi, j'ai confiance en lui. Ah ben, bah, ok. Alors, bah, bon, messieurs, on va, on va bouger. Non, c'était pour rire. Daouda, une Daouda. minute Daouda. et on bouge au second sujet. Non, moi, je m'attends <laughs> au second non, sujet. D'accord, allons-y au second, okay. second sujet, justement. Euh, dernièrement, je vois que M. Laurent Gbagbo a reçu M. Soussoul et sa mère. C'était très bien, bon enfant. Mais jusqu'à présent, le fils n'a pas encore pu rencontrer... Son père, mm -hmm. il a, que, que, quel, quel commentaire vous faites de cela jusqu'à aujourd'hui Aucun commentaire. Le président Laurent Gbagbo est un ancien chef d'État qui peut recevoir qui il veut, il n'y a pas de problème. Oui, Mais en non, voilà. quand ah. vous oui. le dites, est-ce est que, que vous êtes, êtes convaincu Il y a un malaise, il, de il est problème. le fils de Laurent Gbagbo. Il a préparé pour Laurent Gbagbo. Et oui. de retour au pays, Laurent Gbagbo ne le il reçoit pas. Il a préparé pas. pour Laurent Gbagbo, où il faut le préciser. À oui. Vous savez. Il était même le coiffeur, même au passage. Le blanchisseur également. Le blanchisseur ah, aussi. Bon. Alors pourquoi justement Alors, il ne le reçoit pas Qu'est-ce qui se passe C'est une question qu'il faudra poser mmh. au père lui-même. Voilà. Mmh. Il, il faut arrêter mmh. de poser la question mmh. au Couget et au président Charles Bégoudé. Mmh. Que la question, on vous pose aussi la question c'est de savoir, -ce que vous avez, comme c'est une personnalité, oui. est-ce que vous avez engagé, peut-être que vous allez nous redire, parce que c'est bon pour les est-ce que vous avez engagé vous une démarche voilà, pour, pour dire qu'on veut rencontrer Laurent Gbagbo comme hier, il a rencontré Henri Conan La Côte d'Ivoire est témoin. Hum. Nous avons mené cette démarche. Très bien. Et nous pensons, s'il vous plaît, je pense que ce sujet-là, euh, il ne fait pas avancer la vie des Ivoiriens. Il n'apporte rien à la vie des Ivoiriens. Je pense que les Ivoiriens ont beaucoup d'autres problèmes que de créer les conditions d'une rencontre entre le président... Charles Blegoudet est son mentor, son ancien Maurice mentor. marie est-ce que vous êtes d'accord oui. avec lui Réaction Non, la vérité, comme il l'a dit, il revient donc au président Laurent Babo de mmh. recevoir qui bon lui semble. Cela. cela dit, euh, au niveau des partis politiques, vous l'avez dit, prenant l'exemple du Sénégal, deux jeunes leaders qui partent d'abord de l'administration publique du Sénégal, ils créent un syndicat, ils se retrouvent par la suite à créer un parti politique, et aujourd'hui, ils sont sur le toit du Sénégal. En Côte d'Ivoire, nous avons des partis politiques et non des moindres. Mais lequel des partis politiques se soucie un tant soit peu de la société civile et donc des besoins essentiels des populations au point d'interroger la société civile lors de la conception de leur programme de gouvernement et de leurs projets de société Depuis que moi je suis à la tête du mouvement consumériste, les associations de consommateurs sont la tribune par excellence des besoins essentiels, d'expression des besoins essentiels des populations. Jamais. Aucun parti politique ne nous a consultés pour ne serait-ce qu'entendre notre Il cri bon. de cœur nos répond. besoins dans la conception. Donc, finalement, oui. vous faites la politique pour vous-même et non pour la population. Et une fois venu au pouvoir, vous ignorez totalement les besoins essentiels des populations bien, pour lesquelles vous avez été élu et vous faites tout et très souvent n'importe quoi. On On va écouter mère, nous attendons à la oui. matière oui. véritablement le projet oui. de société oui. et le programme de gouvernement. Parce que de plus en plus, il faut arrêter de prendre le peuple ivoirien mm -hmm. comme des gens qui n'ont pas la tête et qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Le peuple a besoin de programmes, de projets et non des jus de hors-toi oh, que j'ai mis mettre ou bien alors de... Euh, trop d'ardoises de, trop de la dette, c'est pas ça. Même si la dette constitue une préoccupation majeure, c'est les besoins essentiels des populations qui sont préoccupées de est. nos préoccupations. Permettons, Permettons à, notre à mettre de C'était hein. sous forme de coup de gueule. Ouais. C'est pas vous, voilà. on va dire. C'est tous les le parti partis politiques, politiques sans exclusif. Voilà. Ce n'est pas une question, c'est un constat que M. Mmh. Komoui fait. D'accord. Alors, nous, en ce qui nous concerne, nous avons au sein du COGEM des personnes qui sont chargées de. Des questions de droits tout de consommateurs, mm. des questions de cherté de la vie. Et pourtant, ils ne connaissent rien des principes Attends, directeurs pour de droit des consommateurs. Non, 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 non lui dit de façon aussi Je peux les quoi, mettre non. au défi. Non. Attendez, Non, 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 monsieur Comoué. Ah non, si, je suis le, à la matière, je suis oui, très. Je que, que vous, matière, vous êtes bien outillé. Aujourd'hui, vous aujourd savez, Marie-Scomoué, ne rien du tout. Attendez, Marie-Scomoué, vous serez ici demain, mais. Il n'y aura pas Serge Ouraga pour parler. Donc aujourd'hui, quand même, il faut qu'on lui donne plus. Non, on attend tous attendez. les partis politiques, c'est l'exclusion. Non, 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 non permettez à ce ce Sinon, ce on va s'embrouiller. Se il faut qu'on permette à notre invité de s'exprimer, parce qu'on l'a invité, on veut entendre clair, sa voix voilà. sur les préoccupations mmh. qu'on a. Et vous, votre préoccupation, c'est de dire que la société civile n'est pas suffisamment associée. Est-ce que c'est le cas, ou bien quelle est l'approche de votre parti Non, mais ce fait, c'est un coup de gueule. C'est en même temps une proposition. C'est même un appel et qu'il veut dire, venez parler avec nous mm -hmm. dans le cadre de la conception de votre programme de mm -hmm. gouvernement. Mais nous, nous entendons, à notre niveau, bien entendu, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui sont chargées de ces questions, qui sont également dans les associations de droits des consommateurs, qui sont bien outillées, mm -hmm. je peux vous l'assurer. Vous pourrez échanger avec ces personnes. Mais nous entendons bien cette proposition et nous allons forcément donner donc, une suite à ce que M. Komori ah a dit. C'est dans, dans le souci d'améliorer mm -hmm. les choses. Écoutons voilà. Élisée maintenant. Okay. Élisée. Voilà, euh, comme je le disais, que dans quelques mois, disons 16, au, au, tout au plus, on sera à l'élection présidentielle. Mm -hmm. Sur ce plateau ici, Charles Blégoudé, votre président, a indiqué que 2025 ne se fera pas sans lui. Et nous savons que Charles Blégoudé ne figure pas sur la liste électorale. Mm -hmm. Qu'est-ce que le COGEP compte faire Quand on sait, par exemple, que le PPACI a décidé d'ouvrir le cadre d'un dialogue politique avec le pouvoir pour voir ce qui peut être fait pour ce qui concerne le président Laurent Gbagbo. Et, Et c'est intéressant, qu'on vous a fait venir ici dans le cadre, mm -hmm. donc. De, de tout ce qui peut avoir comme similitude avec le Sénégal. Mmh. Au Sénégal, Sonko, qui ne pouvait pas être candidat, a passé la main. Beaucoup ont dit que c'est parce que c'est le parti congrès panafricain. <laughs> Là-bas, c'est patriote africain. Mmh. Donc ici, il se trouve que euh, le PASTEF a dit nous, le culte de la personnalité, on ne connaît on pas. pas. Si ce n'est pas numéro un, ce sera numéro 2 qui va être candidat. Si ce n'est pas numéro un, ce sera numéro 3. C'est quoi l'approche du COGEP mmh. À son dernier congrès, le COGEP a décidé. Que pour les élections, pour l'élection présidentielle de 2025, qu'on soit partie prenante. Mmh. Très bien. Nous allons participer donc à l'élection présidentielle de 2025. Et qui sera la figure de proue il, il dira au moment opportun. Non, non. Ce que nous avons dit, mmh. c'est qu'au cours d'une convention, donc qui va se tenir avant cette élection, nous allons décider de la forme que cette participation va prendre et éventuellement du candidat mmh. que le couger va présenter. Donc c'est une question qui sera débattue. Par les instances du parti, notamment par la Convention, au moment venu. Aujourd'hui, vous dites que le président Charles Blégoudé sera candidat ou pas ne le disons pas. Ce que nous savons, ce que nous avons dit, ce que le Congrès a décidé, c'est que 2025 ne se passera pas sans le COGEP et sans le président Charles Blégoudé. 2025 monsieur ne se passera pas sans le COGEP, sans le président euh, Charles Blégoudé. Concrètement, aujourd'hui, en termes d'implantation du COGEP, vous en êtes où vous avez combien des territoire militants, national le territoire national, vous avez combien de bases et autres Parce qu'on a vu pour le PDCI qui est en train de recruter, le RAGP, mais vous, il y a combien de sections aujourd'hui Quelle est votre cartographie sur le territoire national réel. Voilà. Le, le COGEP continue de s'implanter. Mmh. Le COGEP mmh. continue de s'implanter. Oui, c'est l'état des lieux actuels. Actuel. qui répond non, à, non, la à Non, 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 non. L'état des lieux actuels, nous allons le faire. Ce n'est pas la tribune, mmh. mais nous allons le faire, ça, ça viendra, il n'y a pas de problème. Mais le COGEP s'implante. Et vous avez vu le président Charles Blégoudé faire le tour de la Côte d'Ivoire. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le COGEP, c'est vrai, c'est le parti qui porte le président Charles Blégoudé. Mais le président Charles Blégoudé, il va au-delà du COGEP. Pour l'élection présidentielle dont nous parlons, ceux qui approchent le président Charles Blégoudé en public ou en privé, ce ne sont pas seulement les militants du COGEP. Mmh. Ça va au-delà du COGEP. Donc, nous allons, au moment venu, faire l'état des lieux et nous allons, au moment venu, décider de la forme que notre participation à 2025 va prendre. Ça, c'est intéressant pour terminer une interview donc, euh, qui était quand même la première pour vous en tant que euh, porte-parole de votre parti. Est-ce que vous avez réussi votre examen de passage C'est à vous de nous le dire, à hein, vous, les téléspectateurs qui jugez tous les acteurs à mon, à politiques, qu'ils soient du... nouveaux ou anciens qui arrivent. Et là, on parle de renouvellement de génération. Je ne sais pas si c'est ce qui se passe au Sénégal, ça vous intéresse au niveau de l'âge. Vous trouvez que l'âge y a été pour quelque chose pour terminer dans ce qui se passe au Sénégal, oui ou non Ce qu'on a vu, Boudé mettre 44, 44, 44. <laughs> non, non. Pour nous, l'âge n'est pas le critère principal du choix Très bien. des Sénégalais. Pour Très bien. Nous, mmh. peux faire pour nous, je fais un commentaire pour nous. Juste un petit petit commentaire. Regardez, on avait deux candidats. Non, si on vous avait... êtes long, ce n'est pas bon. Parce a... que c'est vraiment, c'était pour non. terminer. L'âge n'est pas le critère principal. L'âge n'est pas le critère. Alors le critère aujourd'hui, c'est que nos populations ont soif de changement. Très bien. Donc, qui incarne le, change le changement En Côte d'Ivoire, c'est Charles Bégoudet. Merci finira, vraiment. Serge, Serge, sur cette note-là, maître Serge Ouraga, merci beaucoup. Au-delà d'être porte-parole du COGEP, vous êtes également vice-président en charge des affaires juridiques, des libertés publiques et des droits de l'homme. Merci d'être venu vous prêter à cet exercice-là. C'est moi beaucoup. qui vous remercie. Nous en avons terminé. On rappelle que demain, on sera là. Ce sera la dernière de la semaine. Mais rappelez-vous, à chaque émission depuis hier, le téléphone sera ouvert. Vous pouvez donc donner vos avis sur tous les sujets. Sur tous les sujets, n'hésitez pas. Pascal, merci d'être venu. Merci beaucoup, Christelle. C'est toujours un plaisir. Élisée, merci. merci. Marius. Oui, je voudrais féliciter Maître Ouraga pour son tempérament. Après l'avoir passé au feu du rasoir. C'était important. <laughs> Daouda, merci d'être venu. Important. Merci à tous et bonne soirée chez vous. Merci Christelle. Merci André. On se retrouve demain pour une autre émission avec des sujets aussi croustillants que ceux d'aujourd'hui. Et les programmes continuent sur la FTV. N'oubliez pas, le vrai match c'est dans quelques heures. À tout de suite.